rapide et chaleureuse à l'espace culturel. Après les Varsa Village Band et Soul Gospel, c'est dans le cadre des Reflets du Monde que nous parcourons l'Andalousie, l'Inde, le Maghreb et l'Égypte avec la compagnie Al-Andalus. Cette troupe composée de 8 artistes polyvalents nous a fait voyager samedi soir pendant 1h30 de spectacle grâce à la diversité et la richesse artistique du flamenco. Cette danse folklorique a très vite fait vibrer le public avec ses chants rythmés et ses danses endiablées. C'est en effet vêtu de rouge et noir que les 3 jeunes femmes ont réalisé des chorégraphies plus entraînantes les unes que les autres. À cet instant précis, les musiciens admirent leur performance et continuent à les faire danser au rythme de leur guitare. C'est alors que les corps ondulent, les robes virevoltent, les pieds frappent le parquet, les regards se croisent, les mains se frôlent. C'est toute la beauté du flamenco. Le public est enchanté, comblé, il n'hésite pas à se lever, frapper des mains et lancer des you-you pour marquer la mesure. Le miracle du flamenco a opéré et envoûté toute la salle qui se laisse bercer par les sons de cette musique et la chaleur du soleil espagnol. La compagnie Al-Andalus, en coproduction avec l'association Les Portes d'Espagne, a embrasé la scène et le cœur des spectateurs qui ont apprécié ce spectacle de qualité. Soirée de rêve, danse fantastique, musique entraînante, la magie est dans l'air et c'est avec ces quelques extraits que je vous laisse savourer leur prestation scénique. Quiere esta noche robarla.
pino grande, yo te espero, prima mía, debajo del pino grande, yo te espero, prima mía. Yo te espero, prima mía, si tu gente no se entera, yo te hago novia mía. Si tu gente no se entera, yo te hago novia mía. Cuando se duerma la luna y se despierta la tu gente, cuando se rompa el compás y este guitarra morena, la tiene que deshonrar. De gitano.